Bonjour, je m'appelle Camilo Oviedo, j'ai 22 ans, je viens de Colombie et je suis très heureux d'être ici avec vous. J'ai commencé à jouer au hockey quand j'avais 7 ans. C'était grâce à mon frère, il jouait avant que moi, donc il m'a inspiré à jouer avec lui et les autres amis de notre équipe à Cali. J'ai connu le club de Garches grâce à Andrés Torres. Lui, il est mon ami, il m'a invité à jouer ici avec lui, donc bien sûr, j'ai dit oui et je suis très content d'être ici. Garches, c'est une ville petite, mais c'est cool. Franchement, j'ai connu des gens très gentils avec moi et je profite beaucoup d'être ici. Et j'ai appris à parler français grâce à une application qui s'appelle Busu. J'étudie tous les jours, après, pendant le confinement. Heureusement, j'habite sur une terrasse et on a profité, on a partagé avec tous mes voisins qui parlent bien sûr français. Donc c'est pour ça que je pars comme ça et en fait j'aime bien apprendre les langues, donc c'est cool. Bon, le hockey en Colombie, par commencer, le terrain il est un petit peu plus grand, donc ça peut changer aussi beaucoup de choses. Et une autre chose, c'est les tournois. On fait beaucoup de tournois, mais on n'a pas une ligue. Et moi, je viens de Cali, donc ça, c'est 10 heures de route pour Bogota. C'est les deux villes les plus connues pour le hockey en Colombie, donc c'est un peu compliqué pour faire les voyages entre Cali et Bogota. Jouer chaque week-end, c'est un petit peu plus cher chez nous. Donc ça, c'est une grosse différence. Ici, tu peux y aller chaque week-end, différentes villes. Ça, c'est très, très cool. Et dernière, et je pense que plus important, c'est les hauts niveaux. Ici, les niveaux, c'est plus haut, c'est plus compliqué. La première fois que je suis arrivé, ça, c'était compliqué pour moi d'arriver à jouer comme ici à la Ligue Elite. Donc ça, c'est une différence très, très grande pour nous, les Colombiens. C'est un niveau très très haut. En plus, tu peux jouer chaque week-end, tu peux faire un petit voyage chaque week-end. Tu profites beaucoup avec tes coéquipiers. Tu profites sur les bus, sur les vestiaires, chaque entraînement. Ça, c'est très très cool. Et c'est une compétition de très très haut niveau. Tout le monde veut gagner. Tout le monde a des bons joueurs. Tout le monde a des bonnes équipes. Donc, c'est une belle compétition, je suis très heureux d'être ici. Et la différence entre la France et la Colombie, au début, les jus naturels, ça me manque de la Colombie. Ici, il y a des fruits que je ne peux pas trouver sur les marchés, même les supermarchés. Donc ça me manque aussi. Et après, c'est la culture. La culture, c'est totalement différent. Et aussi, les gens que tu connais, ici, il y a des gens par tout le monde. Et en Colombie, c'est plutôt le tourisme. Ici, c'est le travail, le tourisme et beaucoup de choses. Tous les dias, les gens, Paris, à l'étranger, ils vont dire ouais, Paris, c'est la ville de la lumière et tout ça. Et ouais, la culture ici en France, c'est très différent. Et en Colombie, bah, ça change. Tu ne connais pas beaucoup de gens de l'extérieur, de l'étranger. Et ça change. Je voudrais dire merci à Garches pour m'accueillir. C'est pas une équipe, c'est une famille. Donc je suis très heureux d'être ici, très content. Et merci aussi à FMT pour ces vidéos, les photos, tout le travail que vous faites pour la Ligue Elite et pour promouvoir les hockey à l'étranger et même ici en France. Merci aussi à tous les gens qui me donnent le support, à ma famille bien sûr, à tout le monde qui est avec moi pour cette aventure. Love to see you next time on FMT.